Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous sur des thématiques qui concernent le sport marocain, le sport africain, mais également le sport au niveau international. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle et des missions de la Commission des sportifs du Comité national olympique marocain, mais également au niveau africain. Pour ce faire, nous recevons Kadi Contouré, qui est présidente de la commission des sportifs au niveau de l'ACNOA, au niveau africain de la zone 2. Kadi, bonjour. Bonjour Hassan, bonjour à tous. Merci, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Et merci à toi et bienvenue. Merci à toi. Merci beaucoup Hassan et je remercie encore le Comité national olympique marocain pour cette initiative qui fait vraiment preuve d'un engagement, de bonne gouvernance que d'avoir une commission d'athlètes au sein de vos instances et ce qui est bénéfique pour tous. Merci. C'est toujours un réel plaisir de te recevoir sur la chaîne du Comité national olympique. Alors, avec toi, nous avons aujourd'hui les membres de la commission des sportifs du Comité national olympique marocain. J'accueille les membres, Khadija Abbouda qui est avec nous. Bonjour Khadija. Bonjour à tous. Bienvenue merci et merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Khadija. Merci, c'est moi qui vous remercie de nous avoir permis, enfin de nous permettre, pardon, de faire connaissance enfin en vrai avec les athlètes. Merci à toi. J'accueille également Ali Xavier Hussein, qui est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Ah, vous êtes en pleine forme, c'est bien. Depuis le confinement, tu conserves la barbe. Hein. Oui. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Nous allons échanger sur le rôle et les missions de la commission des sportifs. Je voudrais juste rappeler que dans la commission des sportifs marocains, vous êtes 5 membres. Donc, il y a Madame Khadija Abbouda, il y a Ali Xavier El Hussein, il y a également Abdelatif Nasser, il y a Ziad Eit Ogram, et il y a Abdelkir Oddar. Je n'ai oublié personne? Absolument pas. Tout le monde est là. Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, beaucoup se posent la question, quel est le rôle, quelles sont les missions de la commission des sportifs? Peut-être on va commencer au niveau marocain et on revient au niveau africain. Khadija, peut-être? Le rôle de la commission des athlètes du CNOM est un rôle important parce que notre objectif, c'est vraiment d'être là pour être à l'écoute des athlètes en vue de faire remonter leurs besoins, de faire remonter leurs questions auprès des instances qui nous dirigent du point de vue sportif, notamment le CNOM. Et d'ailleurs, à ce titre, pour savoir un peu plus et pour les connaître un peu plus et être vraiment là pour eux, on invite tous les athlètes qui nous écoutent et qui nous regardent à nous adresser leurs questions, leurs interrogations pardon, et leurs besoins par email. Donc, si l'email de la commission pouvait apparaître en bas, ce serait une bonne chose parce qu'au moins… Voilà, donc je vais quand même citer la commission des athlètes @cnom.org.ma. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un coucou, vous faire connaître pour que l'on puisse nous vous informer, comme on va vous préciser par la suite. Oui, alors, j'aimerais quand même aller plus loin dans ta présentation. Toi aussi, tu es sportif, tu as été sportif de haut niveau en tir à l'arc et tu as participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 pour le Maroc. Absolument. Alors, je signale quand même, aujourd'hui, tu es, en plus de ton implication dans le mouvement sportif marocain, bénévolement bien sûr, tu es ingénieur commercial dans le domaine de la formation. Absolument, c'est ça. Emploi du temps un peu chargé, mais on trouvera toujours un moment pour s'occuper des athlètes et être là pour eux. Alors, je voudrais revenir vers Xavier. Xavier, un petit mot sur le rôle de cette commission des sportifs? Nous, en fin de compte, notre travail consiste à faire un lien entre les sportifs, le Comité national olympique, la CNOA et le CIO. Donc, nous, on est la passerelle pour que tous les athlètes ont leur mot à dire, soient entendus au sein du mouvement olympique. Alors, Xavier, je rappelle que toi aussi, tu as participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, ainsi que Jeux Olympiques de Londres en 2012. Oui. Aujourd'hui, tu es
maître d'armes et tu es directeur technique national de la Fédération royale marocaine d'escrime. Exact, pas bénévolement. En plus, que tu sois membre de la commission, mais membre de la commission voilà. Des sportifs au CNOM, c'est un travail bénévole et qu'on salue ouais. beaucoup. Voilà. Alors, oui. avant de continuer sur la commission des sportifs au Maroc, je voudrais revenir vers Teddy Kanouté pour nous parler de est-ce que c'est la même mission, les mêmes missions, le même rôle au niveau africain. Je rappelle que tu es présidente de la commission des sportifs au niveau de l'ACNOA. L'ACNOA, c'est l'association des comités nationaux olympiques africains et tu es présidente de la zone 2. Tout à fait, Hassan. Et c'est vraiment excellent ce qu'on dit Khadija et Ali avant moi. C'est vraiment ça, la commission des athlètes. Faut savoir qu'il y en a un peu dans toutes les instances sportives sous la directive du Comité olympique international. Et puis, je vais juste rappeler que le président du Comité olympique international est aussi un olympien, un athlète, un escrimeur que Alexavier doit connaître, Thomas Barr, mais qui était aussi historiquement membre de la première commission des athlètes du CIO en 1980. Donc, quand il est venu avec son agenda, pour lui, c'était important que les athlètes soient non seulement le cœur, mais aussi au cœur du mouvement olympique, d'où vraiment l'importance du rôle de la commission des athlètes et la participation au niveau de la prise de décision, au niveau des instances sportives. L'avis de l'athlète compte énormément. C'est ce qui est fait au niveau du Comité olympique international. C'est ce qu'on essaie de répercuter au niveau de l'ACNOA et moi aussi au niveau de notre zone. C'est vraiment d'être le lien, mais vraiment un lien collaboratif, un lien de diplomatie, d'échange et voilà. Et un lien qui est bénéfique pour l'organisation, vraiment d'avoir l'avis des athlètes, d'avoir le ressenti des athlètes au niveau de la prise de décision au niveau des instances sportives. Donc, c'est un peu partout pareil. Donc, l'ACNOA, 54 pays. Pour le moment, on a à peu près, je pense, une quarantaine de commissions d'athlètes qui sont actives. Il y a aussi le Forum des athlètes du CIO qui regroupe maintenant les 206 comités nationaux olympiques à travers le monde qui envoient des délégués vraiment voilà pour mettre en valeur l'athlète et la valeur ajoutée vraiment d'avoir l'athlète au sein de la prise de décision sportive. Alors justement, on va revenir à tout ça, Khadi. Je voudrais quand même aller plus loin dans ta présentation, Khadi Kanouté Tounkara. On voit Oli après, c'est pas, je dirais, un nom de famille. Ça veut dire que tu as été aussi olympienne et que tu as participé aux Jeux olympiques avec l'équipe de basket du Mali à Pékin en 2008 également. Oui, tout à fait. Donc, même promotion que Khadija et Alexavier, je ne sais pas si c'est un peu plus tard, mais oui, un grand honneur d'être parmi les 10 000 meilleurs athlètes. C'est beaucoup de chance aussi, mais beaucoup de responsabilités. Et l'une de nos responsabilités, ça fait ça. J'invite Alexavier et Khadija à aller chercher leur titre. C'est sur le site de la World Olympienne. Vous aurez votre certificat et vous pourrez aussi mettre à côté de vos noms au lit. Est-ce qu'il y a un titre honorifique? C'est en cours. J'attends l'heure. Et tous les Olympiens marocains également, vous êtes invités, bien entendu. Tout à fait. Alors, juste, je voudrais rappeler, tu es présidente au niveau de la zone 2 en Afrique. Il y a aussi la zone 1 dont le président est un autre Marocain qui s'appelle Hicham El Guerrouj, que vous connaissez très bien. Oui, que je connais très bien, que je respecte énormément, qui est vraiment comme un grand frère, qui nous a beaucoup aidés au sein de la commission des athlètes de l'ACNOA, Hicham, et qui nous a permis même d'organiser notre premier forum africain en 2015 à Marrakech. Donc, merci Hicham pour tout ce qu'il fait. Il est aussi membre de la commission entourage au niveau du CIO. Il faisait aussi partie de la commission des athlètes du CIO avant. Alors, pour résumer, le rôle de la commission des sportifs, que ce soit au niveau du comité olympique marocain, que ce soit au niveau de l'ACNOA, au niveau africain, c'est pour représenter les sportifs auprès des instances, des comités exécutifs, des comités directeurs, etc., et de porter la voix des sportifs. C'est bien ça. Alors, moi, j'ai une question avant d'aller plus loin. Comment, quelle a été la procédure pour que vous soyez élu? Par exemple, au Maroc, Khadija, comment votre élection a été organisée?
Moi, en fait, j'ai reçu, comme tous ceux qui aujourd'hui font partie de la commission, un mail de ma fédération, donc de tir à l'arc, pour me faire savoir que le Comité national olympique marocain ambitionnait de mettre en place une commission d'athlètes et pour cela, il fallait soumettre des candidatures. Et j'étais parmi les personnes éligibles, puisque pour être éligible, il fallait avoir un certain nombre de critères qui sont d'être marocain, d'être âgé de plus de 16 ans, d'avoir participé à deux Olympiades, etc. Et surtout et aussi de ne jamais avoir été contrôlé positif, par exemple, à l'antidopage. Effectivement. Donc j'ai postulé, j'ai fait savoir à ma fédération que j'étais intéressée par un éventuel poste. Ils ont remonté par la suite ma candidature et celle d'un autre membre du tir à l'arc. Et on s'est présenté, c'était en décembre 2018. Tout à fait, oui. Voilà, et c'est à ce moment-là que les élections se sont tenues. Donc il y a une élection, vous étiez à peu près une vingtaine de candidats. C'est ça. Voilà, ils sont les autres sportifs qui vous ont élus. En effet. Et les sportifs qui nous ont élus sont les mêmes sportifs, enfin sont des sportifs qui ont été désignés par leur fédération comme nous. Je me souviens plus quelles étaient les disciplines présentes, mais toutes les disciplines olympiques étaient présentes. Je crois savoir qu'il y avait 51 sportifs qui étaient présents. Ça représentait à peu près 32 fédérations. Donc c'est eux qui nous ont élus. Donc, moi j'ai voté, Xavier a voté, mais les autres aussi ont voté. Alors, il y avait aussi deux magistrats qui étaient présents, quatre membres exécutifs et le staff administratif du CNOM pour l'organisation des élections. Tout à fait. Voilà, alors, je tiens juste à dire que les élections se sont menées à bulletin secret. Ouais. Et que le dépouillement a été assisté par des athlètes qui ont été désignés pour assister au dépouillement en compagnie de ces fameux magistrats et des membres du comité exécutif. Alors, Kadi, est-ce que c'est la même procédure pour être membre de la commission des sportifs au niveau africain ? Tout à fait. Ben, écoutez, vraiment, je tiens d'abord à vous féliciter au niveau du Maroc parce que vous êtes vraiment... au fait, et c'est vraiment là la procédure qui est encouragée et préconisée au niveau du CIO. Alors en Afrique, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers le monde, les commissions d'athlètes actives, il n'y en avait pas beaucoup. Avant l'agenda 2020, on va dire qu'on a vraiment un président au niveau du CIO qui a poussé dans ce sens-là et qui a mis tous les moyens. En Afrique, nous, on a dû commencer par des nominations parce que le terrain est vaste. Il y avait 54 pays. C'est du bénévolat. Pour pouvoir organiser des élections, il faut encore que tous les athlètes soient sensibilisés et éduqués au rôle, mission et vision d'une commission d'athlètes, ce que vous êtes en train de faire ici, et c'est vraiment la façon de commencer. Donc non, moi j'ai été nommée, et je crois que c'est de là que vraiment j'ai senti encore deux fois plus de responsabilité de faire quelque chose, de par mon vécu d'athlète, mais aussi de véhiculer la voix de l'athlète, et puis... Moi, ma façon de vraiment avoir un impact par rapport à mon mandat, c'était de m'engager dans l'éducation des athlètes. Donc, je suis devenue présentatrice d'un programme qui s'appelle le programme de suivi de carrière des athlètes, d'ailleurs que j'ai pu présenter au Maroc en 2015 avec d'autres grands champions comme Neza, Adil, si ils m'entendent, et c'était vraiment super, et aussi avec l'appui d'Hicham, bien entendu. Mais voilà, de par le monde, idéalement, c'est ce qu'on tend, c'est ce qu'on vise. On vise à avoir des élections. Mais dans les cas où c'est pas possible, dans les endroits où on n'a pas forcément des Olympiens, on peut avoir des athlètes élites ou des athlètes qui sont pas encore sensibilisés, il y a encore une nomination. Même au niveau du CIO, il faut savoir qu'il y a des élections lors de chaque édition des Jeux, mais il y a aussi quelques membres qui sont désignés et qui sont cooptés par le président du comité olympique au niveau de la commission des athlètes du CIO. Donc, c'est une procédure vraiment ce qu'on aimerait tendre et ce qu'on cherche en Afrique, vraiment, ce serait par exemple en 2021 qu'on puisse déjà avoir, parce qu'on trouve qu'on a réuni assez de représentants au niveau de chaque CNO africain pour pouvoir maintenant, lors de nos forums continentaux, avoir vraiment un vote, une procédure où on peut voter. Ça, c'est vraiment l'idéal recherché, qu'on puisse voter, nous, en tant qu'athlètes, pour nos représentants. Mais même si c'est pas le cas, la commission des athlètes a vraiment un grand rôle à jouer au sein du mouvement sportif. Alors, Kadi,
je voudrais te poser la question, toi qui connais très bien l'ACNOA, est-ce que les autres comités olympiques nationaux africains sont dotés d'une commission des sportifs? Tout à fait. Et vraiment, j'aimerais féliciter vraiment tous nos CNO, hein, parce que à la dernière réunion, comme je disais, la grande messe du CIO de toutes les commissions, on avait le plus de représentants, je pense. On était déjà à 35 pays sur 54, et vous savez très bien comme moi, Hassan, on a des très petits pays, des fois où on a à peine les Olympiens, mais quand même des représentants. Maintenant, avec aussi la bourse du CIO qui est disponible de 10 000 $ par pays et par commission pour pouvoir faire des activités, mettre en place la commission, ça a aussi beaucoup joué. Et je pense qu'on est presque à 40 aujourd'hui si on regarde des pays sur 54 qui ont des commissions d'athlètes et des commissions actives. C'est-à-dire, c'est pas des commissions qui sont là pour le nom, mais vraiment qui sont en train de mener des actions, soit de sensibilisation, soit de Kadi, on va revenir sur les actions. Mais avant de parler des actions, moi, je voudrais quand même vous poser quelques questions personnelles. Qu'est-ce qui vous a, vous trois, qu'est-ce qui vous a motivé à candidater pour représenter les sportifs? Pour, je dirais, Kadi, tu dis, bon, moi, ce que je veux, c'est de travailler sur des programmes d'éducation des sportifs. Qu'est-ce qui vous motive pour candidater, pour être membre de ces commissions? Peut-être, Xavier, tu peux nous dire un petit mot? Ah oui, moi, c'est très facile. En fin de compte, quand j'ai été athlète de haut niveau en 2008, la situation pour les athlètes n'était pas la plus glorieuse. On nous demandait beaucoup et on ne nous donnait pas grand-chose. Donc moi, à chaque fois, j'étais toujours en train de poser des questions, à me plaindre de la situation et d'essayer de faire avancer non seulement mon sport, mais aussi la possibilité de pouvoir avoir les entraînements qu'il nous faut, les heures, les stages qu'il nous faut et tout ça. Et dans ma fédération, en 2012, on a changé de président. Et en 2014, mon président m'a dit, comme tu as des idées et tu veux faire avancer les choses, on va te permettre de faire ces choses-là et on va t'inscrire aux élections de la commission des athlètes. D'accord. Et je me suis présenté, j'ai développé ma façon de voir les choses et on a voté pour moi, quoi. Khadija, un petit mot. Qu'est-ce qui t'a motivé à être membre de cette commission, à t'impliquer dans cette commission? En ce qui me concerne, moi, je suis impliquée dans la vie associative sportive depuis de nombreuses années en France et au Maroc. Donc, en France, au travers des clubs de tir ou de badminton dans lesquels j'ai pu évoluer. Au Maroc, mon club de tir, je dirais, affectif, hein, qui est Marrakech, où on a organisé pendant de nombreuses années avec la présidente Mariam El Mahery des étapes de Coupe du Monde. Donc, si tu veux, moi, le donner de moi pour faire réussir une activité sportive, quelle qu'elle soit, ça a toujours fait partie de moi. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc là, en plus, ma fédé m'appelle et me dit il y a l'opportunité que tu puisses représenter les athlètes et tous les athlètes au sein du mouvement olympique. Je me suis dit, mais waouh, c'est un truc pour moi, ça me correspond et ça me permet, pour rejoindre ce que disait Xavier tout à l'heure, j'ai fait les Jeux à Pékin et c'est vrai que ça a été facile. Pour un tas de raisons, peut-être qu'on reviendra dessus, mais bon, peu importe. Et je me suis dit, je vais me servir de mon expérience en tant qu'athlète, de mon expérience en tant qu'organisateur pour essayer de faire en sorte que pour les athlètes marocains, les choses se passent mieux et qu'ils obtiennent des choses que nous, par exemple, Xavier et moi, on n'a pas obtenues. Kadi, je reviens vers toi. Tu as été professionnel pendant de nombreuses années en Europe. Tu as été championne de France de basket, championne d'Afrique aussi avec le Mali. Tu as fait tes études à New York, beaucoup d'activités que tu as. Et pourtant, depuis 2013, tu t'impliques en tant que présidente et tu veux vraiment… ton leitmotiv, c'est un peu l'éducation, la responsabilisation, l'éducation des sportifs. Est-ce que… je sais aussi, on peut le dire, tu es aussi
je dirais, maman. Comment tu fais pour concilier tout ça et qu'est-ce qui te donne cette énergie pour être présente dans cette commission des sportifs au niveau africain? Merci beaucoup, Hassan. J'aime beaucoup ce qu'on dit Alexavier et Rédija. La passion, elle vient de plusieurs manières. Et des fois, ça peut venir d'une frustration, des fois, ça peut venir d'une appréhension. Comme vous avez dit, moi, j'ai joué sur 3 continents. Je suis revenue jouer en Afrique. Et puis, j'ai vu ce qui me frustrait, moi, c'est de voir ce qui nous sépare d'une médaille à chaque fois, ce qui nous sépare d'une médaille. Et mon rêve, c'est vraiment que les athlètes africains commencent sur la ligne d'arrivée avec 0 problème dans leur tête. Et là, je me dis, mais on aura toutes les médailles d'or du monde en Afrique. Et là, moi, ma motivation, elle vient de là. C'est comment on peut transformer nos athlètes, comment on peut les assister pour qu'ils aient les meilleurs résultats possibles. Ça, c'est sur le terrain. Mais aussi après les efforts et tout ce qu'ils ont fait pour représenter le pays, comment on peut les insérer socialement et en faire des personnes à part entière qui sont inclus dans la société, qui sont reconnus, qui ont de la valeur. Et ça, pour moi, la commission d'athlètes, elle peut aider en tout ça. Et c'est là où l'éducation est importante, parce qu'on se rend compte, quand on éduque un athlète, quand on accompagne un athlète, quand on parle d'après-carrière, par exemple, un athlète qui sait où il va quand il aura fini sa carrière a beaucoup plus de chances de faire une médaille, parce qu'il est conforté dans son parcours, il sait déjà qu'il a une reconversion, quelque chose d'autre qui l'attend après le sport. Un athlète qui sait qu'il est éduqué par rapport à l'antidopage, je suis aussi très impliquée avec l'antidopage, sait que quand il va être, saura prendre les bonnes décisions si jamais il est tenté de se doper ou s'il est tenté par de tierces personnes à entrer cette voie-là. C'est des choses, voilà, ça fait, on n'a pas encore dans les activités, mais ça fait partie des choses que je me suis dit, commission d'athlète, voilà où on peut aider. Et puis aussi par la diplomatie. Toujours je dis aux athlètes, quand je commence des sessions avec mes athlètes, que il existe des Olympiens aux États-Unis d'Amérique, presque première puissance mondiale, qui dorment dans leur voiture. Donc, ce qui se passe en Afrique, il ne faut pas croire que c'est que ici, que c'est difficile. C'est difficile pour les athlètes dans le reste du monde. Mais quand on arrive à s'organiser et à parler par la voie diplomatique avec les instances, à expliquer notre parcours, qu'on arrive à s'éduquer, à avoir un lien, le lien qu'on doit avoir, là, on peut emmener de l'amélioration. Et ce ne sera pas au cas par cas, c'est vraiment quand on arrive à faire ça ensemble. Donc, plusieurs choses qui me motivent. Et puis, je suis aussi maman de jeunes sportifs. Donc, on veut toujours, comme Khadija et Alice avaient dit, on veut que ce soit un meilleur passage pour eux que ça a été pour nous. Et en tant qu'être humain, on peut toujours s'améliorer. Khadi, c'est très intéressant ce que tu dis. Si tu m'autorises à résumer rapidement, tu dis que la commission, c'est pour épauler les sportifs de haut niveau. C'est en quelque sorte pour qu'ils arrivent, surtout les sportifs, nos sportifs africains, qu'ils arrivent, je dirais, à défendre leur médaille avec sérénité et la tête vraiment vide de tous les problèmes et se concentrer que sur ça. Mais ce que je trouve intéressant, tu dis, mais la médaille, c'est pas juste le seul objectif. C'est le chemin qui conduit à la médaille qui peut être très intéressant. Et donc, il faut former nos sportifs, il faut qu'il ait un double projet, il faut s'éduquer, s'instruire, avoir un diplôme en parallèle à sa carrière sportive. Et tu dis, après cette carrière, ben, il faut aussi avoir les outils pour s'insérer dans la société et puis trouver du travail. Et tu fais cette comparaison en disant, même aux États-Unis où il y a beaucoup qui ont été médaillés aux Jeux Olympiques, parfois ils sont dans la précarité. C'est pas une question de continent, c'est une question... j'ai envie de dire, de stratégie, une question de préparation, d'anticipation, d'organisation, c'est ce que tu dis? Tout à fait. Et là, quand le message vient d'athlète à athlète, il est encore plus fort. Quand Alexavier peut parler à un autre escrimeur, Reine Khadija peut parler à une autre escrimeuse et raconter son parcours et comment elle a réussi à pallier les deux et comment qu'elles sont, et qu'on arrive à leur donner les outils, on se rend compte que c'est là où on peut ajouter de la valeur en tant que commission d'athlète aussi. Quand on est actif et que voilà, on peut mener des activités pour supporter les athlètes, et je crois que au niveau du CIO aussi, tout est en train d'être mis en place pour ça, pour nous donner les moyens d'arriver à ça. Parce que vraiment, oui, le but, c'est de soutenir les athlètes sur et en dehors de l'ère de compétition. On va revenir sur des actions concrètes qu'a dit, mais avant, je voudrais juste vous dire
à vous trois, que j'étais faire un petit tour sur le chat. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui nous suivent. Je les salue, 1, 2, 3, j'y arrive. Je leur dis bonjour en votre nom. Et puis, ils vous saluent, ils vous disent bonjour. Et la plupart vous connaissent parce qu'ils citent vos noms. Donc, bonjour avec nous. Et c'est un plaisir de vous retrouver, d'échanger avec vous. N'hésitez pas de poser vos questions par le chat et je ferai de mon mieux pour les relayer et pour les poser à nos intervenants. Voilà. Alors, je voudrais revenir à une question, j'ai envie de dire maroco-marocaine. Hein, il ne voyait aucune provocation dans ma question. Pourquoi, dans cette commission des sportifs du Comité national olympique, pourquoi il n'y a pas de sportifs qui viennent de l'athlétisme, alors sachant que beaucoup de sportifs de l'athlétisme ont participé aux Jeux olympiques. Khadija, Xavier. L'histoire est très simple. Comme Raja disait au tout début, pour être potentiellement élu à la commission des athlètes, il ne faut jamais avoir d'antécédents d'action anti-sportif, comme le dopage ou des sanctions très graves en tant qu'athlète. Et au moment où on a été choisi, l'athlétisme avait eu des histoires de dopage au sein des membres de l'ancienne commission des athlètes. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé d'en refaire une nouvelle. Effectivement, oui. En urgence. Effectivement. Khadija, peut-être un complément d'information ? Oui, puis ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est que la commission des athlètes ne représente pas tel ou tel sport ou tel athlète. Elle est là pour représenter tous les athlètes, tous, sans exception, tous les sports, sans exception. Donc, il n'y a pas lieu de dire pourquoi il n'y a pas d'athlétisme, pourquoi il n'y a pas, j'en sais rien, le basket peut-être, pourquoi il n'y a pas… Donc, on est là et encore une fois, moi, aujourd'hui, c'est Khadija, je représente les athlètes du Maroc. Je ne représente pas le tir à l'arc. En tout cas, Khadija, on le ressent. Tu es avec ton t-shirt Morocco. Derrière toi, il y a le Qaws Morocco. Donc, on sent chez toi, Khadija, qui veut rassembler les sportifs marocains. Et tu as tout à fait raison. Et j'adhère complètement. C'était juste pour apporter cette précision. Parce c'est que important. La question a été posée. Alors, concrètement, quelles sont les actions qui ont été mises en place depuis votre élection, que ce soit au niveau marocain, que ce soit au niveau africain? Xavier, vas-y, commence si tu veux. Oui, pas de souci. On a été, dans un premier temps, on a été présenté au bureau exécutif du comité olympique, puisque à chaque réunion de ce comité, on a une présence physique. Donc, il y en a un d'entre nous cinq qui se rend disponible et qui assiste à ces réunions-là. Je pense à Abdelkrim Oddar qui a été désigné. Exact. D'accord. Oui. Abdelkrim Oddar qui est cavalier, qui a fait les Jeux Olympiques de Rio en 2016 et qui va faire les Jeux Olympiques Tokyo en 2021 puisque le sport équestre est qualifié pour les Jeux Olympiques. Là, on vous voit tous les cinq lors de votre élection. En effet, À droite, Abdelkrim Oddar, Khadija, Xavier, Abdeltaif et Ziyad. Et aussi… il y a Ziyad et Khadija qui ont assisté à l'Assemblée générale du Comité olympique et qui ont participé au discours et à l'avancement du mouvement olympique au sein du Comité olympique marocain. Et dernièrement, Khadija, tu vas être plus à même d'en parler au niveau du CIO. D'accord, mais en fait, je voulais juste apporter une précision par rapport à l'Assemblée générale qui s'était tenue en décembre 2019. Oui, tout à fait. C'est à cette date-là que notre commission a été validée par l'Assemblée générale et qu'on a pu donc par la suite commencer à réfléchir à mener des actions. Et une des actions qu'on était censé mener l'année dernière au mois de mars, le 6 ou 7, je ne sais plus. Oui. C'était d'organiser un forum des athlètes. L'objectif, c'était de faire vivre aux Marocains ce que, en effet, moi, j'ai vécu à Lausanne,
après, à moindre échelle, le pays est un petit peu plus petit. Enfin, le pays est petit et l'objectif était de réunir vraiment les athlètes marocains. Donc, juste pour vous rappeler, enfin, pour vous parler un petit peu de ce que moi j'ai vécu à Lausanne, on était 350, je crois, membres de commissions d'athlètes venus. Exactement, venus du monde entier. On a partagé pendant 3 jours sur des sujets qui, encore une fois, sont les athlètes. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Comment est-ce qu'on peut les aider? Comment est-ce qu'on peut les accompagner? Au travers de ce dont parlait Kadi tout à l'heure, la formation, c'est-à-dire, oui, aujourd'hui, je suis athlète, mais demain, qu'est-ce que je vais devenir? Sur comment je fais pour m'entraîner au quotidien, pour exceller le jour J, pour être là le jour J et décrocher la médaille? Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Quelles sont mes chances? Etc. Donc, pendant 3 jours, on a assisté à des réunions plénières avec des intervenants. Alors là, comme ça, je suis incapable de vous redonner les noms. Peut-être qu'Adi va m'aider puisque je sais qu'elle était présente. Mm-hmm. On a fait aussi des ateliers de travail pour réfléchir entre nous sur comment apporter des solutions plus pérennes. Mm-hmm. Et le but, notre but vraiment, dès que la situation sanitaire le permettra, c'est qu'on mette en place un forum identique pour constituer notamment aussi une communauté d'athlètes. Et d'ailleurs, déjà, si tu m'autorises, j'insiste que ce forum allait s'organiser au mois de mars, et c'est la pandémie qui vous a obligé de le reporter. Ben, on était tous présents. Pour ma part, j'étais déjà au Maroc. Xavier était sur le chemin quasiment de l'aéroport. J'ai reçu un coup de fil, je ne sais plus de qui, du CNOM, me disant, ben, désolé, mais compte tenu de la situation sanitaire, le Comité national olympique a pris la décision douloureuse de mettre tout en stand-by. C'est pas le Comité olympique national qui a pris cette décision, ce sont les autorités et le gouvernement marocain qui l'a fait. Il avait très, très bien fait. Parce que le Maroc, il faut le dire, était, j'ai envie de dire, précurseur. Il a pris des décisions en amont pour dire attention, et ça nous a permis au Maroc de mieux maîtriser la pandémie. Tout à fait. Alors que si en effet ce forum avait été tenu, on serait probablement face à une situation sanitaire délicate. Alors, Adida, votre commission est arrivée, je dirais, en décembre 2019. Donc, vous avez quand même mis en place pas mal de choses, des projets qui n'ont pas abouti, la pandémie. Peut-être Kadi, qui est présidente depuis plusieurs années, depuis 2013. Kadi, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont été organisées au niveau africain envers les sportifs africains? Oui, vraiment, énormément a été fait au niveau africain, et donc c'est pour ça que vraiment je salue aussi tous les membres de notre commission des athlètes de l'ACNOA, parce que c'est incroyable d'où on partait. En 2013, nous, on a eu notre première réunion, on a eu les responsables de zone qui ont été nommés, et la première chose qu'il fallait qu'on s'assoie et qu'on fasse, c'était vraiment aussi de comprendre quel est notre rôle. Il faut savoir que la commission des athlètes, encore une fois, c'est du volontariat, mais aussi savoir là où on peut avoir vraiment de la valeur ajoutée. Et pour ça, nous, il fallait déjà sensibiliser, être sûr qu'on a des commissions d'athlètes dans tous les CNO africains. Ça, c'était notre première mission, on va dire. Et pour ça, et ben, il fallait déjà avoir une vision et une mission. Donc, on s'est créé une vision qui était de pouvoir assister les athlètes africains sur et en dehors de l'aire de compétition. Et notre mission, c'était d'éduquer, inspirer, et puis donner une voix. Et pour faire ça, ben voilà, on a dû travailler d'arrache-pied, zone par zone. Moi, personnellement, ben, j'ai dû trouver ma niche, qui était l'éducation. Et heureusement, j'ai pu faire le programme de suivi de carrière dans presque 50 pays sur le continent, ce qui m'a donné l'opportunité vraiment d'avoir accès aux athlètes et de comprendre. Et c'était aussi l'opportunité pour moi de présenter notre commission à travers ça, de vraiment qu'ils comprennent pourquoi on est là, ce qu'on est en train de faire, mais aussi d'emmener un outil concret pour pas qu'ils se disent bah, qu'est-ce qu'elle veut. Les premiers appels, je me rappelle, c'était même dur pour moi d'expliquer ce que je devais faire, ce qu'on voulait faire, etc. Donc, il fallait déjà que nous, on se trouve en tant que commission. Ensuite, on a eu l'immense chance, et encore une fois, je remercie le Maroc, d'avoir notre premier forum africain. À Marrakech, on a pu déjà rassembler, je crois, une trentaine de pays, et là, d'avoir des délégués déjà, asseoir les athlètes et
leur faire comprendre leur rôle, je crois que ça, c'est vraiment le... On pourrait croire que c'est le plus facile, mais ce n'est pas le plus facile. Et vraiment, je suis contente pour Aline, Xavier et Radija parce qu'ils commencent, ils arrivent à un moment où vraiment, il y a quand même eu du boulot qui a été fait avant. Il y a eu des pavés qui ont été posés avant pour que ça puisse arriver. Donc, ça faisait partie des pavés. C'était déjà pouvoir nous réunir tous, pouvoir parler d'une vision commune, une mission commune. Et puis après, il y a des activités beaucoup plus concrètes qu'on peut faire maintenant. Je disais qu'il y a 10 000 dollars de fonds disponibles pour chaque CNO, pour une commission d'athlètes, pour faire des programmes de formation, des programmes de sensibilisation, si besoin, sur les différents thèmes que Khadija et moi, on a vus lors du forum des athlètes, qui incombent tous à la trajectoire de l'athlète et qui peuvent tous avoir de l'importance sur son parcours. Donc, ça peut être sa sensibilisation sur le dopage, la pré-carrière, mais aussi harcèlement et abus dans le sport, le droit, les droits et responsabilités des athlètes, par exemple, ça peut être des thèmes. Mais voilà, les athlètes peuvent aussi aider les CNO pour la mise en place ou l'évolution d'événements sportifs au sein de votre pays. Ils peuvent toujours ajouter de la valeur en assistant à ça. Et ça peut être des séminaires, des conférences, ou des choses encore plus concrètes. Moi, je reçois pas mal de demandes d'athlètes qui ont des questions personnelles et on peut être aussi là. On n'est pas une boîte à plaintes parce qu'on ne peut pas résorber tous les problèmes de chaque athlète individuellement. On peut mettre en place des choses qui peuvent vraiment collectivement, et j'adore ce que Khadija disait, on représente tous les athlètes et quand on nous regarde, et bien, qu'on fasse du basket, de l'escrime, on a tous le même parcours, on a tous les mêmes envies, les mêmes angoisses, on va dire, en tant qu'athlète, on a tous envie de réussir, on s'entraîne tous énormément, on est tous potentiellement d'énormes champions et des soldats de nos pays, donc on a tous ça en commun. Alors, tout ça en commun, Khady, on va revenir sur vos relations avec les sportifs, mais avant, je voudrais vous passer un message, il y a un grand monsieur que nous apprécions beaucoup, qui nous apporte beaucoup de sagesse, qui est monsieur Idi Mahma, secrétaire général du Comité National Olympique, il est aussi secrétaire général de la Fédération Royale Marocaine de Golf, et qui souhaite vous saluer et vous remercier pour votre engagement. Voilà, c'est dit. Alors, merci beaucoup, c'est un grand honneur. Je voudrais vous poser la question, quelles sont, en quelque sorte, les relations que vous avez avec des sportifs? Est-ce que vous êtes régulièrement sollicité par des sportifs et sur quel sujet ils vous sollicitent? Khadija, peut-être, au niveau marocain? On est sollicité, mais j'ai envie de dire pas encore assez à mon goût, en tout cas en ce qui concerne la commission des athlètes marocains. Donc, encore une fois, je réitère, commission des athlètes @cnom.org.ma, on est là, on vous écoute. Maintenant, on a été contacté. Je dis pas que pas du tout. On a été sollicité, contacté par certains athlètes au travers soit de réseaux sociaux, soit pour certains qui ont obtenu nos coordonnées. Et je rejoins ce que disait Khady tout à l'heure. On nous sollicite aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes avec leur fédération notamment. Mais malheureusement, ce sont des sujets qu'on ne peut pas adresser. Nous ne pouvons pas faire d'ingérence. En revanche, nous invitons les athlètes à nous contacter et après, on pourra les conseiller sur les démarches à faire. Pourquoi pas adresser la chambre arbitrale du sport. Vous trouverez d'ailleurs sur le site du Comité olympique tous les éléments qui concernent cette chambre arbitrale du sport. Il est décrit quel est son périmètre et ce qu'elle peut faire et comment elle peut vous aider. Donc oui, on espère qu'on va être sollicité pour les athlètes pour recueillir leurs besoins, leurs attentes et faire en sorte qu'à l'avenir, les choses se passent mieux pour eux dans tous les domaines. Xavier, d'autres cas, d'autres situations pour lesquelles vous avez été sollicité en tant que commission? Oui, comme Radija dit, nous, on est là pour accompagner les athlètes et il y a certains athlètes qui ont eu des gros problèmes de financement de leur activité ou des manques de moyens. Et tout le temps, on a essayé de trouver une solution adaptée à la situation. Nous, on n'est pas là pour résoudre les problèmes, mais on a peut-être des clés qui vont permettre à trouver les solutions à tous les problèmes. Forcément, on a un réseau qui nous permet, en tant qu'ancien athlète et membre de la commission des athlètes, à pouvoir diriger cette demande au bon endroit et pas se tromper. Parce que je sais qu'il y a certains athlètes,
s'ils vont voir leur président de fédération, ça va leur retomber dessus et ils vont avoir plus de difficultés que de facilités pour pratiquer leur sport. Donc, nous, on est franchement un lien tampon entre les instances et les athlètes. C'est plus facile, je pense, de discuter entre athlètes et après de voir avec les instances que directement, en tant qu'athlète, livrer son cœur et des fois, on fait des erreurs. D'accord. Alors, je voudrais revenir vers vous, Kadi. Un athlète, par exemple, champion d'Afrique, qualifié aux Jeux Olympiques, est-ce que, quand il a besoin de la commission des sportifs, est-ce qu'il peut s'adresser ou est-ce qu'il doit s'adresser à la commission nationale du Comité national olympique ou bien s'adresser à vous directement à la CNOA? Comment ça se passe? Non, vraiment, il y a un cheminement et ce que je conseille, c'est vraiment de s'adresser à sa commission d'athlète nationale et que nous aussi, on ait énormément de respect en tant qu'athlète pour la procédure et les règles. Mmh. Parce que j'encourage vraiment les athlètes à être toujours dans la diplomatie et à comprendre le rôle des différentes fédérations, du CNOM, etc. Parce que nous, on est sur le terrain, on n'est pas… Kadi, oui. Si je peux m'autoriser à vous interrompre. Quand vous dites oui. « j'invite les sportifs à être dans la diplomatie », pour vous, oui. Ça veut dire quoi être dans la diplomatie? Être dans la diplomatie, c'est vraiment respecter les autorités avec lesquelles on travaille, de comprendre que chacun a son rôle à jouer. Nous, on est sur le terrain, on compétit, on n'est pas forcément au fait de ce qui se passe dans les bureaux, c'est ce que je découvre. C'est qu'en tant qu'athlète, on a souvent aussi des perceptions qui ne sont pas réelles. On croit que nos fédérations ont beaucoup plus qu'elles ont des fois, on croit qu'on est toujours maltraité, donc, j'invite à faire attention et je ne dis pas que c'est pas le cas. Je suis africaine, je vis en Afrique et je suis au fait de ce qui peut se passer. Et encore une fois, c'est jamais rose partout. On peut aller à travers le monde. Il y a des problèmes au sein des fédérations, des athlètes qui ont des problèmes avec leur fédération, avec leur club, etc. Maintenant qu'on a des commissions d'athlètes qui sont là pour être notre voix, pour être le lien, j'invite vraiment les athlètes à respecter ça et puis à soutenir cette commission. Cette commission ne sera effective et ne sera active que si les athlètes marocains vraiment soutiennent cette commission et respectent les règles de diplomatie et de cheminement de leur requête, c'est-à-dire à passer par la commission, laisser la commission être leur voix. Et des fois, je peux comprendre plus que jamais leur frustration. On a envie que les choses soient faites rapidement. On a souvent partout, nous, c'est récurrent, les primes, etc. C'est des choses vraiment, il faut que nous aussi, on apprenne ça. Il faut qu'on apprenne ça. Il faut qu'on apprenne oui. à se serrer les coudes et c'est pas facile des fois. Parce qu'on est des compétiteurs nés. Je veux quand même revenir sur ce que tu as dit. Tu dis que les athlètes doivent être diplomates, doivent faire de la diplomatie, mais les athlètes aussi sont parfois frustrés parce que la fédération ne répond pas aux attentes des athlètes, la fédération ne met pas au centre de ses préoccupations l'athlète. Quel recours il a l'athlète? Est-ce que lui doit faire de la diplomatie, mais est-ce que les instances fédérales qui s'occupent des athlètes ne doivent pas aussi se préoccuper davantage des sportifs? Tout à fait. Et c'est pour ça que vraiment j'encourage l'initiative du CNOM, parce que l'idéal, c'est d'avoir une commission des athlètes au niveau du CNOM, mais aussi de chaque fédération, et ces représentants-là puissent travailler avec... ça, c'est tout le boulot qui attend aussi Khadija et la commission. C'est maintenant qu'ils sont 5, voir comment ils peuvent aller à 10, 12, s'assurer que chaque fédération a un représentant, et chaque fédération à faire l'effort de vraiment écouter ces représentants-là, parce que c'est donnant-donnant. Encore une fois, des athlètes soutenus, des athlètes supportés vont apporter beaucoup plus de médailles parce qu'ils seront bien dans leur tête, parce qu'ils sauront que tout est mis en place pour les supporter. Et ça, c'est le travail de tous. C'est le travail de tous. Des athlètes, d'un côté, à vraiment respecter le rôle de la commission des athlètes, voilà, à mettre nos frustrations des fois. Bah, qu'est-ce qu'on voit? Moi, beaucoup d'exemples que j'ai vus, c'est que les frustrations, quand on les démontre individuellement, eh ben, ça n'aboutit pas toujours, ou ça aboutit rarement, ou ça aboutit que pour les plus grands noms. Voilà. Mais quand on vient collectivement, qu'on est porté d'une voix, et que c'est tous les athlètes qui sont les uns derrière les autres, et qu'on se serre le coude, on a beaucoup plus de chances de réussir à aboutir dans la diplomatie. Ça, c'est vraiment ce que moi, j'ai vu à travers les commissions et pour avoir des résultats.
Merci pour ce témoignage, Kadi. Je voudrais demander à Khadija ou à Xavier, quelles sont les relations que vous avez avec l'ACNOA, justement, avec l'Association des comités nationaux olympiques africains. Enfin, je parle de la commission sportive. Peut-être Khadija, ou Xavier. Khadija, en voilà. Ma seule interlocutrice aujourd'hui, elle est présente avec nous, c'est Kadi. Et on a commencé déjà à échanger. On a pour objectif de collaborer davantage ensemble. Et j'espère que bientôt, on va pouvoir proposer des choses concrètes à destination de nos athlètes marocains. Parce qu'en effet, elle a l'avantage d'avoir une ancienneté et un vécu déjà au sein de sa propre commission et au sein de l'ACNOA. Elle a collaboré, elle collabore d'ailleurs depuis très longtemps avec le CIO également. Donc, ce sont toutes ces relations dont on va se servir et qu'on va mettre à profit à destination de nos athlètes. Alors, si j'ai bien compris, au niveau du CIO, il y a la création aussi de la plateforme 365. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette plateforme? Oui, c'est un moyen que tous les athlètes ou anciens athlètes ont pour rediriger ou créer leur future carrière. Donc, ça a un moyen de formation, d'information, de soutien pour tous les athlètes olympiques du monde. Donc, c'est vraiment un outil indispensable, même quand tu es en activité. Tu peux te renseigner pour ton futur. Comme Kadi disait, si tu as un projet à côté du sport, tu seras un meilleur sportif. Si tu avances dans le sport et au moment où ta vie sportive se coupe et tu n'es plus personne, comme ton futur, il est compliqué. Que si dès le départ, quand tu es athlète, tu as un double projet, le sport et l'éducation ou un parcours professionnel, tout de suite la vision de ta vie est beaucoup plus simple. Tu ne vas pas te rattacher seulement à ton objectif sportif, mais ton objectif sportif sera le complément de la continuité de ta vie. Ça va te donner plus de moyens de réussir tes deux actions, ta vie sportive et ta vie future ou professionnelle. Donc, si j'ai bien compris, Xavier, la plateforme 365 qui a été mise en place par le Comité international olympique, c'est une plateforme à la disposition de tous les sportifs, et surtout les Olympiens, et qui leur donne des informations sur comment, réussir leur carrière professionnelle après la carrière sportive, mais qui leur offre aussi des formations ciblées pour les faire monter en compétences. C'est bien ça? Exact. Et ils ont l'habitude de parler avec des sportifs. D'accord. Et je ne sais pas si on a un lien de cette plateforme qu'on peut communiquer à toutes les personnes qui nous regardent. Ah ben voilà, il est là. Oui. Donc, moi, j'invite vraiment. J'invite vraiment tous les athlètes marocains à se créer un compte sur cette plateforme parce que effectivement, ils vont trouver dedans un tas de formations qui vont leur être utiles maintenant et pour plus tard. Il n'y a pas que la reconversion de carrière, mais il y a aussi aujourd'hui comment réussir ma carrière sportive. Il y a le témoignage d'athlètes sur comment ils ont réussi à performer, comment ils ont réussi à s'entraîner, qu'est-ce qui a fait leur succès. Donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle il faut absolument qu'ils aillent tous se créer un compte. Ils vont y trouver des informations aussi sur le bien-être, la nutrition, la gestion de l'échec, la gestion du stress, etc. C'est très riche. Et au-delà de la plateforme, il y a une application aussi, l'appli qui s'appelle Athlète 365, que je leur invite aussi à télécharger sur leur smartphone. Elle est disponible aussi bien pour Apple que pour Android. Cette appli permet de créer une communauté. Encore une fois, ça fonctionne toujours sous forme de communauté. Donc, je prends mon exemple, je fais du tir à l'arc, je vais être mise en contact obligatoirement avec tous les athlètes mondiaux qui font du tir à l'arc et qui sont sur l'application Athlète 365.
Je vais être mise en relation avec les athlètes marocains, avec les athlètes africains, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un outil, encore une fois, d'échange pour que chacun se serve de l'expérience de l'autre et que chacun bénéficie de l'expérience de l'autre. Alors, Khadija, tu dis, ce que tu dis, je le résume. Deux choses. Le site de la plateforme 365, il faut s'inscrire pour avoir accès aux informations et bénéficier des formations. Et puis, il y a l'application Athlète 365 pour être dans cette communauté de sportifs. Je voudrais te poser une question très simple, très claire. Est-ce que les athlètes, s'ils veulent bénéficier de ces formations sont gratuites, accessibles aux sportifs ou il faut payer? Les formations sont gratuites. Les formations sont gratuites, elles sont en ligne. On doit travailler ensemble, quand je dis ensemble, c'est avec le comité olympique, avec le CIO, pour traduire certaines de ces formations qui aujourd'hui ne sont disponibles qu'en anglais. Donc, il y a des formations en français, il y a des formations en anglais et dans d'autres langues, mais en ce qui concerne le Maroc, c'est le français et ou l'arabe. Donc, on va réfléchir et on va voir comment est-ce qu'on peut mettre à disposition soit un minimum des sous-titres, soit en tout cas une traduction de ces formations pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Khady, peut-être un mot sur cette plateforme ? Oui, non, mais c'était super, c'est excellent ce qu'on fait, Khadija et Ali Xavier. Alors, juste rappeler, ça s'appelle Athlète 365 parce que c'est disponible et gratuit 365 jours de l'année pour supporter les athlètes. Donc, le but, c'est vraiment 99% des questions qu'un athlète peut se poser à travers son parcours, que ce soit sur ou en dehors de l'ère de compétition, on doit pouvoir y trouver des réponses sur la plateforme. C'est vraiment le but. Et je rappelle que c'est pas que pour les Olympiens. Quand les athlètes vont s'inscrire, souvent, on leur demande s'ils ont participé à des Jeux Olympiques. Mais si vous n'avez pas encore eu la chance de participer à des Jeux Olympiques, vous pouvez quand même avoir accès au contenu qui est là et qui est gratuit. Donc voilà, Khadija a très bien dit, c'est des thèmes, qui incombent au bien-être, aux finances, aux droits de l'athlète, à l'après-carrière, à l'image de l'athlète, marketing, branding, comment vous pouvez créer votre propre image, etc. Donc, c'est du contenu fait par les athlètes. C'est une initiative de la commission des athlètes. Donc, vous pouvez vous dire que vraiment, ça a été fait par des athlètes pour des athlètes. Donc, et c'est gratuit. Et du contenu, vraiment, oui. Comme disait Khadija, il y a des choses déjà où on a les traductions en arabe. Pas tout le contenu, malheureusement, mais il y a des sessions qui vous seront ouvertes, comme les sessions Power Up, qui sont maintenant disponibles en arabe. Il y en a eu une il n'y a pas longtemps, qui était en ligne et qui était entièrement en arabe. Donc, allez voir, allez vous inscrire. Il y a énormément de contenus qui sont là pour vous et pour vous aider, en fait, pour vous supporter. Merci beaucoup, Khady. Je voudrais quand même aller chercher des questions des participants qui sont avec nous et que je salue et que je remercie encore. Alors, je prends comme ça au hasard une question de Hassan Houet qui dit, à la fin d'un parcours de haut niveau, voir de la haute performance, un athlète passe de la retraite du sportif de haut niveau à la préparation d'une retraite professionnelle traditionnelle. Ma question au niveau marocain, à quel niveau intervient la commission des athlètes ou le CNOM dans l'accompagnement de ces sportifs? On y a plus ou moins répondu dès le début, dès maintenant. Il n'est jamais trop tard. Alors, moi, je voudrais rajouter quand même, compléter la question de Silhouette. Est-ce que c'est juste du ressort de la commission du CNOM ou bien est-ce que c'est aussi du ressort à la fois de sportifs, de son entourage et de sa fédération? L'initiative doit, à mon sens, elle doit d'abord être celle de l'athlète. Donc, nous, commission, on informe tout le monde. La partie prenante, c'est quand même l'athlète. Et il doit effectivement se faire accompagner et être en tout cas que son entourage, sa fédération, soit avec lui. Parce que s'il est tout seul à faire des actions et que les autres sont contre lui, ça risque d'être compliqué. Donc, en effet, l'entourage de l'athlète, c'est quelque chose qui est important et qui doit adhérer au même projet que l'athlète. Alors, je voudrais juste rapidement vous partager une étude qui a été faite et j'aimerais avoir vos réactions. Il y a une étude qui a montré que ceux ou les sportifs qui performent, que ce soit avec la médaille ou qui font un très bon cheminement, je dirais sportif, à la base,
ils sont en quelque sorte animés par une passion, par un rêve, par un objectif énorme, une vision, etc. Et qui sont vraiment le pilote ou le leader de ça et qui drainent autour d'eux tous ces intervenants et toutes ces personnes autour d'eux et qui sont en quelque sorte les coordinateurs de tous ceux qui sont autour d'eux pour réussir leur projet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'entourage qui est moteur d'une réussite. Il y a la personne en tant qu'athlète qui est parfois rayonnante et qui attire des gens pour la soutenir et pour croire en son projet. Il y a la famille qui soutient cette personne dans son projet, parce que faut pas oublier que le résultat d'un sportif, c'est aussi le travail d'un ensemble de personnes. Il n'est pas tout seul le sportif à réussir. Donc dans la vie personnelle, c'est la même chose. Tu as un père, tu as une mère, ils vont te soutenir jusqu'à temps que tu réussisses ta vie. Et ben un sportif, il a besoin d'entourage. Soit il l'attire, soit il y a des gens qui comprennent le potentiel de cette personne et la soutiennent. C'est le travail aussi du Comité olympique national. Je n'en doute pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous autour de cet écosystème, autour du sportif. Mais le porteur de ce rêve ou de ce projet, c'est bien le sportif lui-même, n'est-ce pas ? Pour moi, oui. Pour moi, des fois, il n'a pas les moyens. D'accord. Kadi, peut-être, tu voudrais rajouter quelque chose ? Oui, je vais peut-être ajouter à ce qu'Ali vient de dire, il faut qu'ils se donnent les moyens. Et je crois que et la commission et les instances peuvent les accompagner dans un premier temps avec de la formation, de la sensibilisation. Je crois que c'est important pour un athlète de comprendre son identité, de comprendre sa passion, de comprendre sa vision. Et tout ce qu'il a fait sur le terrain, je peux vous assurer qu'il peut le faire en dehors du terrain. Mais c'est vraiment identifier qui on est, qu'est-ce notre identité, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire après. Et nous, c'est pour ça que le programme de suivi de carrière du CIO était très important pour moi, parce que je pense qu'il ajoute beaucoup de valeur au parcours d'un sportif quand on arrive à déceler ses propres intérêts, ses propres valeurs, et qu'on arrive à se préparer pendant qu'on est encore athlète. C'est ça, c'est pas attendre d'avoir fini pour se poser la question de qu'est-ce que je vais faire. Ce qui est l'idéal, c'est qu'un athlète, même à 14 ans, il commence à avoir déjà une idée du double parcours. Comment je fais mes études, parce qu'on se rend bien compte qu'une carrière sportive est de courte durée, c'est pas quelque chose qui va durer, qui peut s'arrêter demain, malheureusement, sur une blessure, donc c'est pas quelque chose de garanti. Et vraiment à avoir cette approche-là, cette approche de double carrière et à se donner les moyens. Je crois que il est dépassé le temps où l'athlète doit se dire, qu'est-ce qu'on va faire de moi parce que je suis un grand champion? Non, qu'est-ce que je vais faire de moi-même? Et puis, je vais identifier les gens qui vont pouvoir m'aider et je vais saisir les outils que je trouve au passage pour pouvoir y arriver. Et j'y ai réussi sur le terrain. Pourquoi j'y arriverai pas en dehors? Les athlètes ont d'extraordinaires qualités. Ils ont d'extraordinaires capacités, des fois, dont on se rend pas compte. Et les choses qu'on apprend sur le terrain, ils peuvent vraiment ajouter de la valeur quand on veut même percer dans le monde des affaires ou qu'on veut aller vers une vie un peu plus normale après notre retraite. C'est pouvoir capitaliser sur ces outils-là et pouvoir les mettre en lumière. C'est là où on peut les accompagner. Mais vraiment, je suis d'accord avec vous, Hassan, que c'est à l'athlète la finale décision. D'être acteur de son projet, acteur de son rêve. Et moi, j'aime bien ce que tu dis, Kadi. Il faut se donner les moyens et non pas être juste dans une position passive. On n'a rien fait pour moi, il faut qu'il fasse pour moi. C'est dire comment je peux faire pour réaliser mon rêve, comment je peux faire pour aller vers cet objectif, comment je peux faire pour me transcender et fédérer les gens autour de mon projet également. Et je suis d'accord avec Xavier, il faut du soutien, il faut cet écosystème autour du sportif pour qu'il puisse se préparer à la fois pour sa carrière sportive, mais aussi après, comme dit Kadi, dans des conditions sereines. On est bien d'accord. Alors, je voudrais quand même aller sortir un peu de la commission des sportifs, vous poser une question sur votre avis sur la pandémie que nous vivons, cette crise sanitaire qui a beaucoup impacté les sportifs autour de vous. Comment les sportifs vivent cette pandémie, ce report aussi des Jeux Olympiques Tokyo 2020 à Tokyo 2021? Alors, je prends toujours la parole en premier, je suis désolé, mais j'ai vu deux cas de figure. Il y a, comme Kadi disait, il y a l'athlète qui va se prendre en main, qui est un compétiteur né et qui va mettre en place un système
pour qu'ils puissent garder une forme physique, garder une continuité de travail mental et qui va trouver des outils supplémentaires pour être performant. Et il y a l'autre partie des athlètes qui va se laisser abattre, qui va se dire ah, le ciel il m'est tombé sur la tête, je peux pas faire ça alors qu'avant j'avais l'habitude de faire ça, et il va s'enfermer et dans un fond qui va être compliqué de sortir. Et il y a ces deux cas de figure. Moi, c'est ce que j'ai vu. La plupart du temps, les entraîneurs connaissent les personnalités et ont déjà analysé plus ou moins les difficultés que les athlètes vont avoir. Moi, je sais que j'ai des athlètes, j'ai besoin de rien faire. C'est eux, au contraire, qui me demandent plus. Et j'en ai d'autres, si je les appelle pas tous les jours, ils savent plus comment mettre le pied gauche dans la chaussure gauche et le pied droit dans la chaussure droite, quoi. Quelque chose de plus, Khadija? C'est vrai que cette période a été compliquée pour les athlètes, mais effectivement un peu comme pour tout le monde. Bon, Xavier a pas mal résumé. Il y a les leaders, il y a ceux qui ont un esprit d'inventivité, qui ont créé via des pages Facebook ou des Instagram ou des pages WhatsApp et autres, des programmes qui ont du coup drainer d'autres athlètes. J'ai souvenir de quelques sportifs marocains, entre autres, qui invitaient d'autres athlètes à faire de la muscu ensemble, à faire de la renfo musculaire ensemble, à faire un tas de choses pour se maintenir. Donc, les athlètes ont ce qu'on appelle la résilience. Cette résilience, beaucoup en ont fait preuve. Et comme l'a dit Xavier, il y en a qui en ont fait preuve, il y en a aussi qui étaient en attente des instances. Oui, mais en gros, les instances, elles font quoi pour moi? Ma fédé est plus là, mon coach est plus là, mon entraîneur est plus là. Donc, ça rejoint ce qu'on disait au tout début. La réussite passe par soi. OK, là, c'est la fin du monde. La Terre s'est arrêtée de tourner parce qu'il y a un petit truc, là, Covid-19 qui est venu semer la zizanie dans le monde. OK, sauf que malheureusement, ni toi ni moi n'y pouvons rien. Mais qu'est-ce que tu peux toi faire pour rendre ton quotidien viable et malgré tout avancer dans l'objectif des Jeux? Et certains ont réussi à le faire. Kadi, j'ai un message pour toi. C'est de la part de Reda qui dit que tu as assuré une formation en 2015 des athlètes de haut niveau et l'intégration dans le monde du travail. Voilà, c'est le message pour toi. Donc, c'est à refaire quand tu veux. Merci, c'est Sana. Et Sana, je crois que tu sais maintenant qu'il y a une version en ligne et qui est en arabe et qui est encore mieux que moi ce que je peux offrir. Et c'était tout mon rêve. Donc, moi, j'aimerais bien revenir, mais j'aimerais bien que ce soit la commission des athlètes aussi qui présente cette formation. C'est ce qu'on veut faire au niveau de ce programme-là. C'est vraiment autonomiser les commissions et puis pouvoir leur donner les outils pour qu'eux présentent et que ce ne soit pas toujours moi qui vienne. Et ça, c'est vraiment l'idéal parce que ce sera dans la langue, ce sera d'athlète à athlète marocain. Et pour moi, ça, c'est encore plus de poids. Mais alors, voilà, c'était une super expérience. Alors, Kadi, puisque tu as la parole, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ce report des Jeux, l'impact de cette pandémie, comment ces Jeux, parce que tu es très impliqué dans le mouvement olympique, dans le CIO, cet impact de la pandémie sur l'organisation des Jeux en juillet-août 2021 à Tokyo? Oui, ben, je pense que ça a été un choc pour beaucoup d'athlètes qui s'entraînent depuis 4 ans, qui attendaient ça, mais c'était aussi la décision nécessaire et sage qu'ont pris les instances. Donc, c'est vrai que ça a impacté beaucoup d'athlètes. On a pu profiter de cette période-là. Je pense que le CIO a mis en place énormément de sensibilisation par rapport à la santé mentale, par exemple, de l'athlète, parce que on se rend bien compte que c'est des périodes où les athlètes, voilà, des gens qui sont habitués à concourir avec du public, qui se retrouvent sans public, sans salle de sport disponible, et les athlètes ont été extraordinaires, comme d'habitude, d'adaptabilité et de capacité à contourner les choses pour quand même s'entraîner si possible, s'adapter si possible. Mais bon, c'était, je pense,
une grande déception pour beaucoup, mais beaucoup de compréhension aussi. Tout le monde a compris donc la situation, et tout le monde a compris qu'on est dans une situation qui n'a jamais été vue avant et que c'était nécessaire. Donc, je pense que les athlètes sont des êtres extraordinaires. Ils comprennent, ils s'adaptent. Mais c'était important de les soutenir aussi, de soutenir avec des thèmes, voilà, comme la santé mentale qui peuvent être des fois tabous, mais qu'on se rend compte que voilà, c'est dans des périodes comme ça où les athlètes peuvent être déprimés parce qu'ils étaient déjà prêts à y aller. Bah, comment prévenir ça? Ça fait partie, voilà, des activités qu'une commission d'athlètes peut avoir. Et puis voilà, j'attends Tokyo avec, je pense, impatience comme tous les athlètes, comme tout le mouvement sportif. Alors, en dehors, je confirme ce que tu as dit, Kadi, par rapport au pouvoir d'adaptation des sportifs et des sportifs de haut niveau. Il y a une étude qui a été faite dans le monde de l'entreprise et qui montre qu'un athlète, quand il rentre dans la vie professionnelle et qu'il quitte sa vie d'athlète ou sa carrière de sportif, il est beaucoup plus, je dirais, il s'adapte beaucoup plus facilement au monde de l'entreprise. Et parfois, quand il a réussi à faire un transfert de ses compétences dans le monde professionnel, c'est un plus, et donc il est en avance dans ce qu'on appelle les soft skills. C'est ça. Tout à fait. Et en plus de ça, on est des athlètes, on est capacité à apprendre les autres, les hard skills techniques beaucoup plus vite que les autres, parce que nous, on a l'habitude de s'adapter. Donc, on arrive déjà avec énormément d'atouts qu'il faut mettre en lumière, parce que des fois, parce qu'on n'est plus sur le terrain qu'on maîtrise, on n'a pas vraiment conscience de tout ce qu'on a comme valeur. Et c'est pour ça que la formation et l'éducation, c'est vraiment la clé pour autonomiser les athlètes. Et je voulais juste ajouter que par rapport à la pandémie aussi, il y a eu énormément de choses qui ont été faites avec la commission des athlètes du CIO. Et d'ailleurs, je salue parce que c'est une Africaine qui est la présidente monde. C'est Kirsty Coventry qui est dans ma commission et toute ma commission, hein, Khadija, tu m'as eu moi beaucoup, mais tout le monde est attribué à différentes tâches et on travaille tout ensemble. On a énormément de soutien de Kirsty qui est la présidente de la commission des athlètes du CIO. Et ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé qu'il était extraordinaire, c'est de mettre en place des appels mensuels avec toutes les communautés d'athlètes pour nous tenir au fait. Je crois que Khadija, tu as dû prendre part ou la commission en tout cas du CNOM à quelques-uns de ces appels où on tenait les athlètes au fait de tout ce qui se passait, de toutes les avancées par rapport aux Jeux et par rapport à la préparation des Jeux et par rapport à des thèmes qui les intéressaient, et avec un dialogue direct avec le président du CIO lui-même, M. Thomas Bach. Et je pense que ça, même mentalement, c'était quand même très réconfortant. Et au niveau de l'ACNUA aussi, on n'a pas pu faire un forum comme on aurait aimé le faire, mais on a pu faire un forum virtuel où on a eu presque 45 CNO, représentants de CNO, d'athlètes qui ont pu joindre cet appel virtuel. Donc, je pense que tout le monde a essayé de s'adapter au mieux pour accompagner les athlètes, mais c'est vrai que ce n'est pas une période facile. Merci beaucoup, Kadi, pour ces précisions. J'ai lu les questions des participants avec nous. Je vais résumer. Il y a deux questions qui reviennent et qui sont récurrentes, qui s'adressent beaucoup plus à la commission des sportifs du Comité national olympique marocain. La première question, c'est quid des athlètes qui ont des problèmes avec leur fédération? Qu'est-ce que vous leur proposez? Comment vous pouvez les accompagner? Comment vous pouvez les aider à trouver une solution à leurs problèmes avec leur fédération? Est-ce que c'est de votre registre de compétences? Déjà, on peut les écouter. Ils peuvent expliquer leur cas. Et on va prendre le temps d'analyser la situation calmement, posément et intelligemment. Après, forcément, on trouvera une solution. On est dans un monde de sportifs où tout le monde veut la réussite du sportif. C'est clair et net pour nous. Si Khadija et moi et les trois autres sont là, c'est pour donner ce qu'on n'a pas eu. Donc, donner la chance et donner les moyens à tout athlète marocain de performer et d'être performant. Ça, c'est clair et net pour nous. Khadija, peut-être un complément d'information? Donc, effectivement, on va écouter déjà les athlètes, voir quelles sont les problématiques qu'ils ont. Maintenant, pour répondre précisément à ta question, Hassan, c'est une question qui revient des participants. Hein. Voilà, donc répondre à cette question, est-ce que la commission des athlètes a pour vocation ou a la possibilité de résoudre un conflit entre un athlète et sa fédération? La réponse, c'est non, ce n'est pas notre rôle.
comme je vais le dire vulgairement, nous ne sommes pas les avocats des athlètes, malgré le fait qu'on aimerait pouvoir faire plus sur ce type de cas. Mais encore une fois, on va écouter la problématique et orienter l'athlète vers les endroits, les personnes, les instances qui sauront les aider, qui sauront les accompagner et surtout donc obtenir gain de cause ou réparation quand c'est nécessaire. Mais encore une fois, on n'a pas été élu pour résoudre des problèmes entre athlètes et fédérations. Tout à l'heure, Khadija, tu as parlé de la chambre arbitrale du sport. Tout à fait. Un petit mot, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'elle fait? Pas son rôle, mais tout à l'heure, tu disais que voilà, il y a la chambre arbitrale du sport aussi qui est mise en place chez nous au Maroc et que ça peut être aussi un recours pour trouver une solution amiable à des problématiques. Eh bien, voilà. Tu as résumé, et ce que j'allais dire, c'est que sur le site, et ce que j'ai dit plus ou moins tout à l'heure, c'est que sur le site du comité olympique, il y a un onglet qui parle de la chambre arbitrale du sport. J'invite vraiment tout le monde à se connecter, enfin, les personnes qui en tout cas ont des problèmes, à se connecter à aller voir sur cette page. Mmh. Il y a des articles, il est expliqué clairement quelle est sa fonction, donc je vais vous lire un tout petit paragraphe. La Chambre arbitrale du sport en tant que structure juridictionnelle indépendante du CNOM a pour objectif de régler les conflits et litiges à caractère sportif dans le but d'atténuer et de mettre un terme au recours systématique aux tribunaux ordinaires. Merci pour cette précision, Khadija. Alors, voilà. On n'est pas là pour parler de la Chambre arbitrale du sport, mais c'est très bien que tu dis ça. Maintenant, on a bien compris, la commission des sportifs, que ce soit pour le CNOM, que ce soit par la CNOA, est là pour épauler les sportifs, est là pour, je dirais, partager cette expérience des anciens avec les sportifs. Vous vous engagez vraiment, c'est bien tout ça. Maintenant, il y a une question qui revient. Quelle est votre stratégie et quels sont vos projets à venir pour les sportifs? Déjà, dans un premier temps, nous faire connaître par le plus grand nombre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a très peu d'athlètes qui sont informés de notre existence. D'accord? Après, communiquer aussi au niveau des fédérations. Parce que je suis persuadé qu'il y a des fédérations qui ne savent même pas qu'une commission d'athlètes existe et qui pourrait leur faciliter certaines relations qu'ils ont avec leurs athlètes ou d'autres choses. D'accord? Donc ça, c'est au programme de nos premières actions définies ensemble, tous les cinq. D'accord. Khadija, peut-être un complément d'information? Donc pour compléter, effectivement, on aimerait se faire connaître et surtout aussi connaître un maximum d'athlètes. Donc, encore une fois, créer notre communauté d'athlètes marocains. Donc, ça peut passer par, je ne sais pas, on n'a pas encore tout à fait réfléchi sur le moyen, mais ça peut être un groupe, ça peut être déjà de communiquer au travers des emails. Et les premières actions concrètes qu'on pourrait mener, c'est dès que la pandémie… Exactement. Dès que la pandémie sera terminée, ou en tout cas qu'on pourra à nouveau se réunir tous, c'est de remettre sur pied ce fameux projet de forum pour réunir tout le monde, faire connaissance et puis partager des choses et avancer ensemble. Mm-hmm. Mais en attendant, on peut réfléchir à des sujets qu'on pourrait traiter via ce média. Donc, Khadija, excuse-moi, je t'interromps. Moi, j'ai noté aussi une chose très importante, fondamentale, c'est que vous êtes vous-même et les cinq qui sont dans cette commission, vous étiez ou vous êtes toujours des sportifs de haut niveau, parce qu'il y a Oddar qui est toujours en action, il y a Abdeltef qui est toujours en action, Nosser, et il y a Eit Ogram qui est toujours en action, un lutteur, et qui se prépare aussi à la qualification aux Jeux Olympiques. Donc, vous êtes des sportifs de haut niveau, vous étiez des sportifs de haut niveau, et vous dites, nous sommes là au service des autres sportifs, alors écoute, vous avez donné l'adresse mail, alors écoute, pour les accompagner et et partager avec eux vos expériences. C'est déjà, je dirais, très important. Et en plus de ça, il y a des projets qui viennent, le forum pour justement consolider cette communauté, et puis, pourquoi pas, d'autres projets. Il y a la plateforme, je rappelle, 365
informations et formations que vous avez rappelées. Et aussi, il y a une chose importante dont j'aimerais bien avoir l'avis de Kadi sur l'antidopage. Est-ce que vous faites quelque chose auprès des sportifs pour les sensibiliser? Bien sûr, il y a l'ORAD avec le comité olympique qui font beaucoup de sessions de sensibilisation, mais est-ce que vous, commission des sportifs, vous faites quelque chose pour l'antidopage? Kadi, peut-être, ton micro? Merci. De soulever l'antidopage, et puis oui, je pense qu'on a un très grand rôle à jouer, et la commission d'athlètes a un très grand rôle à jouer en tant que ambassadeur du sport propre. Déjà, elle peut inviter des actions comme la journée Playthrough, qui est tous les 10 avril, où on peut vraiment, dans sa langue, taguer pourquoi on décide d'être propre et de concourir propre. On peut aussi prendre part aux webinaires ou aux séminaires qui sont en ligne. Il va y en avoir un de l'AMA, malheureusement, ça va être en anglais, mais on a beaucoup d'athlètes qui sont maintenant anglophones et qui s'entraînent de par le monde, et des Marocains, il y en a de partout. Donc, je vous invite à vous inscrire. Ce sera le 28 mars, il me semble. Vous pourrez aller voir sur le site de l'AMA où il y a toute une série en ce moment, en fait, de webinaires que pour les athlètes et par les athlètes. Et le thème sera l'éducation le 28 pour moi, le 28 ou le 30, je dois confirmer, mais je vous invite à aller sur le site de l'AMA et aller sur Adèle aussi. Il y a la plateforme Adèle qui est un peu la plateforme d'apprentissage de l'AMA où les athlètes peuvent s'inscrire et puis suivre des cours. Il y a même un programme exprès, un cours exprès pour les athlètes qui vont aller à Tokyo et ils peuvent compléter. C'est vraiment de façon ludique, c'est dans toutes les langues. Ça, c'est en arabe aussi. Donc, il y a l'antidopage. Et puis, il y a l'Association des Olympiens aussi, que j'espère viendra ou peut-être existe déjà au Maroc que vous pouvez aussi lancer en parallèle de la Commission des athlètes pour soutenir les Olympiens, là, uniquement les Olympiens. Mais voilà, il y a une tonne d'informations qui est déjà disponible et que je vous invite à vraiment utiliser, surtout quand on parle de l'antidopage. Alors, merci beaucoup, Kadi. Juste pour les membres de la commission marocaine, il y a une demande. Est-ce qu'on peut refaire cette visioconférence en arabe? Ben oui, avec plaisir. Je pense que nos amis invités, Foncer et Ziyad, et ainsi que Abdoul, seraient ravis d'y participer. Nous arrivons à la fin de notre visioconférence. Je voudrais vous remercier infiniment. Alex Xavier, je rappelle que tu es escrimeur, tu es membre de la commission, que tu es DTN de la Fédération Royale Marocaine d'Escrime. Khadija Bouda, je rappelle que tu es membre de la commission et aussi, sportif de tir à l'arc. Archer, voilà, l'archer, la précision. Et aussi, tu es ingénieur commercial dans le cadre de la formation. Et Kadi Kanouté Tounkara Oli, ça veut dire olympien, parce que tu as fait les Jeux Olympiques. Tu es présidente de la commission des sportifs, zone 2, et tu t'impliques beaucoup, je dirais, dans le mouvement olympique, surtout autour de l'éducation et la sensibilisation à l'antidopage. Alors, avant de vous dire un grand merci, je voudrais vous laisser le mot de la fin par rapport à cette thématique d'aujourd'hui, la commission des sportifs au Maroc et à la CNUA. On revient vers toi, Kadi, puisque tu as commencé par prendre la parole tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup. Je remercie vraiment et je félicite la commission des athlètes du CNOM déjà pour cette initiative, et le CNOM pour l'accompagnement, que je rappelle vraiment est signe de très bonne gouvernance et de très bons rapports à créer pour le futur des athlètes marocains. C'était un grand honneur et je suis très contente de pu contribuer à ce webinaire. J'espère que vous en aurez beaucoup d'autres et que vous aurez un très bon forum quand tout ira bien. Et voilà, et je félicite tous les athlètes marocains pour tous les efforts et toutes leurs médailles, toutes leurs réussites sur le terrain. Je leur souhaite que le meilleur après aussi. Et voilà, merci beaucoup et bonne chance pour Tokyo. Merci à toi, Kadi. Et je te dis franchement, au nom de tous les Marocains,
au nom de tous les Africains, je te dis un grand merci parce que tu es une grande ambassadrice du sport africain. Tu es très, très, très occupée. Et à chaque fois que nous te sollicitons, tu prends le temps de partager ton expérience avec toujours ton sourire bienveillant et avec toujours ta gentillesse et ta bienveillance, de partager ton expérience avec, je dirais, les sportifs africains. Et je sais à quel point ça te tient à cœur. Merci beaucoup, Khady, vraiment. Merci. Khadija, merci beaucoup. Un mot de la fin. Merci au Comité olympique d'avoir permis que nous prenions la parole pour, j'espère, nous faire connaître. J'espère avoir l'occasion de rencontrer davantage d'athlètes et j'espère que cet événement-ci, c'est juste le premier d'une très, très longue série. Ben, merci à toi, Khadija, parce que franchement… j'ai envie de dire que cette visioconférence, tu as largement contribué. À chaque fois, tu nous rappelais, il faut qu'on parle avec les athlètes. Il faut qu'on parle avec les athlètes. Et voilà, c'est fait. Et j'espère que ça donnera place à une longue série de rencontres et d'échanges avec nos sportifs. Merci beaucoup à toi, Khadija. Merci. Et je rappelle à commissiondesathlètes@cnom.org.ma. On a besoin de communiquer avec vous. On voudrait communiquer avec vous. Vous êtes les bienvenus. Mais je me demande comment tu fais. Toi aussi, tu es maman. Toi aussi, tu es cadre dans une entreprise et tu fais ça bénévolement. Et j'admire ton implication. Et Merci. Tu aimes les sportifs marocains parce qu'à chaque fois, tu reviens à la charge pour eux. C'est vrai. Quand on aime, on compte pas. Tu as raison. Xavier ? Donc, moi, je remercie vraiment le Comité olympique marocain car moi, depuis 2008, je n'ai jamais vu… autant d'action, autant de motivation pour les athlètes marocains pour leur réussite. Donc moi j'arrive à avoir un travail qui est en contact directement avec le Comité olympique et je vois le travail que vous faites et je suis fier de faire partie de cette commission d'athlètes qui donne tout son temps libre pour aider les athlètes marocains. Je voudrais conclure par le fait qu'un athlète réussisse, c'est pas seulement de sa propre personne, il doit être aussi un petit peu aidé. Et nous sommes tous là pour les aider. Ils ne sont pas seuls dans leur réussite. Si vous vous faites aider, si on vous permet de réussir, la réussite sera d'autant plus belle, puisque vous aurez fait un travail d'équipe. Khady connaît ça, elle a fait un sport d'équipe, elle sait la valeur des coéquipiers, qui resteront toujours dans sa vie. Donc, permettez-nous de vous aider dans votre parcours de réussite humain et sportif. Merci beaucoup, Xavier. En tout cas, je peux te dire que notre préoccupation principale est celle du président du Comité national olympique, c'est Faisal Darichi. Ce sont les sportifs, le soutien des sportifs et bien sûr l'accompagnement des fédérations. Nous sommes au service du mouvement sportif marocain. Notre objectif, c'est la réussite des fédérations, la réussite des sportifs. Donc, nous partageons ces valeurs avec vous, avec tous ceux qui nous suivent. Je voudrais vous dire un grand merci et à d'autres aventures, j'espère, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé à cette visioconférence. Merci pour vous. C'est toujours un vrai plaisir. Vos questions, ils sont là. Nous avons… Essayez de répondre au maximum des questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos questions. Nous sommes là dans l'échange parce que nous devons avancer ensemble, la main dans la main. Et la réussite, elle n'est jamais individuelle. La réussite est toujours collective. Merci à vous et à très bientôt pour d'autres visioconférences aussi passionnantes que celle-là d'aujourd'hui. Merci, au revoir.